Allez, salut les amis, on se retrouve. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie, je crois de mémoire, je crois que c'est la partie 3 de l'Iveco. J'ai avancé un petit peu, mais sans plus. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de boulot sur cette grosse machine. On va dézoomer un petit peu parce que je crois que je suis un peu bas là. Ouais, hop là. Voilà. Il y a pas mal de boulot sur ce camion. Donc on y attaque, hein, on continue. Hein. Le problème c'est que voilà, donc là j'en suis là, j'ai dégrappé toute cette partie là. Vous voyez au niveau du moteur. Mais il n'y a aucun code couleur en fait. En fait pour eux, ils ne le peignent pas hein, sur le plan. Donc c'est vrai que sans plan et sans légende pour pouvoir voir les codes couleurs, c'est compliqué. Alors trouver des photos après je veux bien, mais bon. Donc je ne sais pas. Donc ça je vais certainement faire au feeling. Hein. Je vais me faire plaisir comme ça. On va pas se compliquer non plus trop la vie. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai assemblé toutes ces pièces. Donc voilà la grosse bête, la pièce principale, la pièce maîtresse du moteur. Donc je l'ai tout assemblé. Voilà, il n'y a rien de folichon. Voilà. Donc je vais le peindre en extrême métal, ça c'est sûr. Donc un petit style aluminium. Je pense. Je pense qu'on va rester sur un aluminium. Donc ça c'était en deux, hein. Donc je l'ai nettoyé, je l'ai mis comme ça. Et après il y a tous ces tuyaux, là toutes ces durites qui étaient avec. Là y a, ça je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a deux récipients, certainement un liquide de frein, un liquide de ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. Ce qui vous plaît, ce qui vous semble le mieux, le plus judicieux, les courroies. Voilà, les courroies sont nettoyées, prêtes à peindre. Donc je vais peindre donc ça en aluminium, pardon. Et puis faire une petite patouille avec un petit jus dessus, quoi, pour vieillir le truc, quoi. De toute façon, je pense que c'est caché. Hein, c'est vraiment histoire de. On le verra pas. Hein, on va plus se focaliser sur la carrosserie, essayer de faire vraiment une très belle carrosserie. Après le détaillage à l'intérieur de la voiture, du camion, pardon, restera sobre et sobre, tout simplement. Donc là, c'est fait. Donc les roues aussi, j'ai nettoyé toutes les jantes. Donc ça, c'est à peindre en. Moi, j'ai pas fini de. Vous voyez encore les morceaux au niveau des roues. C'est des sacrées roues quand même. Hein. C'est du plastique, hein. rien de folichon. Et donc ça, il me le demande en noir brillant. Donc un noir carrosserie, noir brillant quoi. Donc j'ai un noir au niveau AK. J'ai une belle peinture noire d'ailleurs. Si je la retrouve, je ne sais pas où elle est d'ailleurs. Voilà. Je pense la peindre avec celui-ci, le black. Vous voyez, de chez AK. Ok, donc je vais faire ça. Donc les amis, je fais tout ça, je peins mes jantes, je nettoie mes pneus, je fais toute ma tambouille sur ces éléments-là, ok. Et puis on se reprend pour la suite du montage. Allez, à tout de suite. Bon allez les amis, voilà, je vous reprends. Alors donc j'ai peint toutes mes jantes. Toutes les pièces du moteur et le moteur. Donc là je laisse sécher tranquillement. Donc j'étais en train de nettoyer les pneus. Et il y a du boulot hein. Voilà, donc ça c'est un pneu pas nettoyé. Vous voyez, hop. Donc c'est comme ça. Et un pneu nettoyé, ça donne à peu près ça. Je sais pas si on voit la différence. Voilà, là c'est ce côté déjà ici là. Je sais pas si vous voyez, il y a une ligne là. Donc j'essaye de l'enlever au mieux, voilà. Et de l'autre côté, il y a plusieurs lignes là, ici. J'essaie de les enlever aussi au mieux. Donc voilà, en fait, hein, c'est simple. Hein. Je prends mon Dremel. Bon, je vais faire un petit peu de bruit. Par contre, prenez un petit masque. C'est utile quand même. Vous devez m'entendre pareil. Parce que je sais pas si c'est bon les petits morceaux là
de caoutchouc dans les poumons, ça doit pas être formidable. Donc voilà, je pense un petit coup et je pense avec ça tranquillement. Voilà. Moi, je l'ai pas mis fort, hein, le Dremel. Hein. Et... C'est énormément de travail, ça. Voilà. Et voilà, en gros, ça donne ça. Ok. Bon, je vais faire tous les pneus. Et puis je reprends une fois que tout est fini. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez les amis, voilà. Donc ça c'est fait. Voilà, vous voyez un petit peu les dépôts qu'il y a sur le masque. Comme quoi, hein, faut vraiment porter des masques. Hein, c'est utile. Hein. Voilà. Bon, maintenant, bah voilà, tous les pneus sont faits. Voilà le résultat en gros. Hein. Bon, c'est pas. C'est mieux de ce que c'était, on va dire, quoi. Vous voyez. Par contre, j'ai pas pris cet outil. Hein. Cet outil est un peu gros. En fait, j'ai pris ça. Un outil comme ça, vous voyez. Voilà. Et ça va pas trop mal, hein, donc faut vraiment y aller doucement et puis ça se fait. Bon, les amis, je nettoie tout ça. Et on se retrouve. Allez, à tout de suite. Allez, ok les amis, donc on se retrouve pour l'Iveco. Donc voilà, en fait, j'ai vachement avancé, hein, j'ai avancé tout seul. Donc voilà où on en est. Alors la partie 5 est terminée aussi. C'est franchement, c'est chaud, hein, c'est compliqué. Hein, je fais pas trop dans le détail, quoi. Je fais pas trop dans le détail, mais bon, ça ira bien comme ça. Les pièces, elles sont vraiment très très mauvaise qualité. C'est vraiment tout nettoyé. Franchement, c'est vraiment chaud quand même. Enfin, moi, je suis pas assez bon pour ça, quoi. Il y en a qui sont très très forts pour faire ça, mais moi, je suis pas à l'aise avec tout ça parce que c'est vraiment, ça a un temps mais monstrueux, quoi. Donc voilà. Enfin bref. Donc ensuite, ce que j'ai fait, là, j'ai mis un peu de pigment. Vous voyez, hop. J'ai pris un petit peu de pigment, là, sur les bras, là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, là, ces parties-là. Et puis j'en mets un là-dessus. Ça fait un petit... hop, là, vous voyez. Ça fait pas dégueu. Ça fait plus réaliste, ça fait moins plastique, quoi. Hop là, vous voyez. Ça fait...
Voilà. Bon, j'en mets un petit peu partout, hein, pour masquer la misère. Donc voilà, on y va. Alors oui, hein, ça c'est un kit vraiment difficile. Hein. Ouf. On n'est pas arrivé au bout, hein, je pense, les amis. Hein. On n'est pas arrivé au bout. Bon ben voilà. Voilà. Si j'y mettais un petit coup de wash. Ouais, je ne sais pas. Ça c'est quoi celui-là là? Petit coup de celui-là peut-être. Je vais mettre un petit coup de ça sur ce bidon là. Peut-être que ça va nous faire un petit truc pas mal. Ouais, ça l'encrasse, c'est bien. C'est bien. Voilà. Hop là, ça fait beaucoup ça quand même, hein. Bon, ça va peut-être l'enlever. J'ai été un peu loin, les gars, là. Bon. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc voilà, les amis. Où on en est sur l'Iveco. La prochaine fois, bon, on attaquera la partie 6. On dirait une espèce de caisse. Il se met là, ok, ça marche. Bon bah voilà les amis, on en reste là. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se revoit pour le prochain numéro. Allez, merci, salut, à plus, salut, ciao, bye.